Les habitants du quartier à Kébé Bellevue 1 n'ont pas dérogé à la règle. Le 28 janvier dernier, c'est toutes les communautés de cette partie du 3e arrondissement de la commune de Libreville qui se sont mobilisées pour prendre part à ce grand rendez-vous de l'année dénommé le repas du cœur. Ceci dans le but de consolider les liens de fraternité et d'entraide, comme le souligne le thème retenu pour cette 7e édition. Et le thème cette année, c'est unis dans la concorde et la fraternité. C'est toujours un plaisir. Vous savez, le vivre ensemble, c'est ça. Le vivre ensemble, se connaître. Parce que dans nos quartiers, vous savez que chacun vit dans son milieu et souvent il y a cette haine sans savoir pourquoi. Manger, c'est vrai qu'on mange tous les jours. Mais partager ce moment, chaque année, je vous dis, ça crée un lien de fraternité. C'est l'objectif visé. Une initiative qui trouve l'assentiment des populations. Déjà, notre chef est tellement sociable, si je peux appeler ça comme ça, et très sympa. Elle sait réunir la population. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet la cohésion, ça permet de se connaître, ça permet d'être ensemble, ça permet de manger un repas. Vraiment, c'est une très bonne initiative. L'événement, marqué par une série de prestations, dont la danse et le défilé de mode, s'est achevé avec la remise des certificats de reconnaissance aux leaders associatifs, hommes de médias et autres, pour leur engagement à œuvrer au service du quartier à Kébé Bellevue 1.